Les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog etisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur The Witcher 3, la chasse sauvage sur PC. Je rappelle encore une fois que le jeu m'a été offert par Citoyen, encore une fois un très très grand merci à lui. Donc on se retrouve ici à Perchefreux, je crois que ça s'appelle comme ville. Voilà, hein, nous avions sauvé les écuries. J'ai besoin de tirer un coup. Sur quoi? Chasseur? Tu veux quoi, toi? Oh rien, je t'écoutais dire des conneries. Du coup, je vais descendre dans le puits. On a parlé rapidement dans la vidéo précédente à notre cher ami, le Baron Sanglant, pour lui faire un petit peu un rapport de la situation. Et surtout lui parler de sa fille qui ne souhaite pas revenir, mais bon. Monsieur garde espoir. Oh, je rame un petit peu. Alors j'avoue que je suis en train d'uploader en même temps sur le serveur les vidéos pour les premiums, mais du coup ça rame un petit peu, même si je suis bien à 30 fps hein, j'ai l'impression que l'ordinateur a un petit peu plus de mal. Je pique tout ce que je peux hein. Tant qu'à faire, pourquoi se gêner? C'est bon pour descendre? Ok. J'ai évité de faire le schtroumpf comme dans la vidéo précédente où je suis tombé par-dessus le pont. Enfin, je suis tombé, non, j'ai sauté dans le vide. En me disant, c'est bon, il y a de l'eau en dessous. Je vais juste faire un joli plouf et ce sera terminé. Bah non, voilà, je me suis bien ramassé. Et j'aimerais bien pouvoir passer et me rendre auprès. Attendez, il y a quoi ici? C'est des plantes? Non, c'est pas des plantes. Ah si, il y a une plante. Et un lingot de météorite. Ok. Encore des plantes. On va prendre, on sait jamais, je pourrais en avoir besoin de ces quatre. Et je veux descendre dans le puits. Il me semblait que je pouvais pas y aller avant, mais bon. Ah ouais, d'accord, vachement utile le puits en fait, il s'arrête là. Ça va pas plus bas? Des champignons. J'y vois rien, donc pour une fois, ce que je vais faire, on va essayer de faire... Alors déjà, je voulais bien voir ça, là. Ça m'intéresse bien. Voilà. Des bonnes bottes. Les bottes du peuple des Zolnes, ok. Et ce que je voulais faire, c'était récupérer une potion. J'ai quasiment plus de potions d'hirondelles. Une potion, ça doit être là-dedans, les potions. Pour voir la nuit. Tonnerre, ce n'est pas ça. Chat. Voilà, je crois que c'est ça qu'il me faut. Et là, comme ça, déjà, je sais un peu plus où je mets mes pieds. Il semblerait que je sois arrivé d'un peu trop haut. Pas grave. On aurait presque pu dire qu'il y avait quelque chose par là-bas, mais non. Rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que tous ces coffres font ici? Ok, donc ça mène vers la sortie, d'accord. Ok, donc je pourrais pas passer par là tout de suite en tout cas. Bah alors grimpe. Mais qu'est-ce qui nous pousse? Allez vieux. Voilà, c'est mieux, je préfère ça. De l'autre côté, il y a quelques secondes, il me disait qu'il voyait quelque chose, le personnage. Ah, il y a un coffre ici, d'accord. Il y a plusieurs coffres ici. On va tout prendre. Gantelet de cavalerie. Et huile contre les bêtes. Intéressant. Créature maudite améliorée. Oh là là, ça va me plaire.
C'est bon, on peut remonter à la surface, je crois qu'on a fait le tour. Schéma JAG de chasseur de primes, je sais pas ce que c'est, objet magique, d'accord, comme ça c'est réglé, j'ai ma réponse. Et du coup, ai-je tout vu ? Je ne sais point parce qu'il ne me dit rien là au niveau de la mine. Enfin, je sais pas si vous voyez, l'information, on n'a pas d'infos me signalant si oui ou non j'ai fini d'explorer. Ça ne se décoche pas en fait, enfin ça se décoche pas façon de parler. Oh l'écho là en... Par contre j'ai l'impression que ça ne fait pas que voir dans le noir, j'ai l'impression que je vois plus les couleurs. Il y a du bleu au-dessus là. Ah ouais. Ah oui, c'est tout bizarre. J'ai l'impression de voir en noir et blanc. Tout va bien. Merci le filtre. Il y a quelques nuances de couleurs autour de nous et quand on regarde. On doit garder espoir. Garder espoir pourquoi? Pour qui? Bon, du coup, je vais aller voir le hurleur qui a tué le père du gamin que nous avions croisé un peu plus tôt. Parle de la vie du forgeron, elle avec les dents écartées. C'est pas une mauvaise idée, elle en a une sacrée paire. Je parle du hurleur, il fait des ravages dans les poulaillers des paysans. T'es dingue ? Il se prend pour un héros, il peut sauver les cutéreux. Et alors ? Un cutéreux ça peut être un très joli cul quand même, hein ? Je vois pas pourquoi il serait moins bien que les autres. Un petit peu d'eau et hop, c'est plus terreux. Quoique je sais pas, que ça veut dire autre chose en fait. Hein. Terreux, mais je pense que ça a une origine cette phrase, faudrait que je la recherche, un de ces quatre. Même si mot à mot comme ça, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il leur paye un tribut ? Ça oui. Est-ce qu'il les reçoit chez lui ? Oui, d'accord. Alors pourquoi pour construire des barrières ? Le baron est peut-être en cheville avec les escadrons. Mais les plaies n'ont pas encore cicatrisé. Personne n'a oublié de quoi l'Empire est capable. Mes yeux ont retrouvé la couleur. Oh, on sent mieux comme ça. Bref. Ah oui, j'avais déjà entendu ce dialogue. Hier, il a rapporté un saut d'épluchure. Du coup, la quête, parce que je vois que ça a changé encore, là. Trouver la sorcière, par au propre moyen, demander aux habitants de Aubreuil où elle réside. Et affaire de famille, c'est toujours en cours. Suivez les pistes restantes à Vélène pour retrouver la femme du baron. Je pourrais faire ça aussi, mais j'ai quand même envie d'aller voir le monstre. Où est-il ? C'était contrat de sorceleur. Voilà, hurleur. On va aller le chasser, lui. Par contre, qu'est-ce que le hurleur ? Là, c'est une question bien différente. Est-ce que je peux appuyer sur IF5 pour sauvegarder, déjà ? Et aller voir nécrophage. Il y a quoi de nouveau dans les nécrophages ? Les algoules. Ah, bah voilà ! J'avais pas eu d'informations sur elle jusqu'à présent. Une algoule, c'est comme une goule, mais en pire. Ah bah oui, d'accord. Zarpen, Zigrin, guerrier nain. L'algoule est plus grande, plus forte et plus intelligente que sa cousine commune, alors que la goule et le grévir, graver sont des créatures primitives. L'algoule et ses semblables, comme le charneur par exemple, sont capables d'élaborer des plans complexes qui les rendent d'autant plus dangereux. D'accord. Est-ce que j'ai des informations sur un certain hurleur dans l'eau, là ? Noyeur, Ghoul, Necker. Non, je n'ai rien de tel. Donc je ne sais pas ce qu'il va me falloir pour l'affronter. On va vite le savoir, à mon avis. Range-moi ce rasoir. Oh là là, oh là là. Ouah, c'était plus que limite là. Va falloir que je fasse gaffe avec le... Le monsieur. On va faire le vide. Alors apparemment l'alcaïs, c'est ce qui permet de... Non, c'était pas ce que je voulais faire.
L'alcaisse permet de recharger nos munitions quand on commence à en manquer. Et là, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que je me rééquipe d'une autre potion. Donc là, l'hirondelle. Voilà. On va la terminer pour essayer de regagner notre vie rapidement, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. J'ai oublié aussi qu'il fallait que je augmente mes points. Par exemple. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Voyons voir. Donc j'ai gagné un nouveau point ici. Voyons voir ça. Décoction augmente d'1% le seuil de surdose. Ok. Préparation d'huile lorsque vous blessez un ennemi avec une huile, lame d'enduite d'une huile. Vous avez 3% de chance d'empoisonner la cible à chaque coup. La probabilité augmente en fonction du nombre de en fonction du niveau de huile utilisé. D'accord. Création de bombe lorsque vous visez un. Mutation. Ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que j'utilise pas énormément de. C'est vrai que j'utilise rarement les attaques puissantes, j'utilise surtout les rapides. Je pense que je vais débloquer ça. Ok, je voulais voir, mais en fait, je crois vraiment que j'ai développé mes attaques. Allez hop! On va le placer là. Niveau suivant, 10%. On va continuer là-dedans. Hein. Il me reste encore des points, donc je vais en profiter. Voilà, 3. 4. Allez, jusqu'au bout. Comme ça, au moins, c'est quoi qu'il arrive, ça me sert à rien d'attendre d'avoir plein de points. Ensuite, j'en suis où, là? Il faut que je dépense 6 points là-dedans, en fait, c'est ça l'histoire? Pour pouvoir passer au niveau suivant? Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5... Enfin non, 1, 2, 3, 4, 5, 9 points, donc ça se trouve, c'est tout là-dedans qu'il faut que je dépense pour pouvoir accéder au niveau suivant. Et ça, c'est pas cool. Va falloir que je fasse gaffe quand même à tout ça. Faudrait que je gagne plus de points. Au pire, là, j'ai débloqué seulement 2 points. Ouais, je verrai. On va y aller doucement quand même, hein, au cas où. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais du dégât. Entrée ajoutée au bestiaire, en dire couvrière. Aïe. Aïe. En même temps, ça fait pas trop mal, mais j'ai l'impression que... Ça fume beaucoup là quand ça saigne ces bestioles. Quadriac, embryon d'Andriag. Faudra que je vois ce que je peux en faire de tout ça. Ou mutagène bleu inférieur, nickel. Petite sauvegarde, je vais aller voir dans le bestiaire. À quoi cela correspond, toutes ces petites bestioles mignonnes que l'on vient de croiser? Insectoïde.
Andriag ouvrière, moi qui croyais que les ouvrières étaient inoffensives, ça m'apprendra, Jeanne aux pieds beaux, chasseuse. Les ouvrières sont de loin la caste la plus représentée au sein d'une colonie Andriag. Elles construisent les nids et les cocons, approvisionnent la colonie en nourriture et prennent soin des œufs et des larves. Face au danger, elles appellent généralement les guerrières à la rescousse, mais sont néanmoins parfaitement capables de se défendre. Est-ce qu'il y en a un peu plus dans l'environnement, là ? Ah non, c'est l'endroit où on était venu pour le bébé, là. Avec le bébé magique. Là où il y avait les traces au sol, voilà. Je reconnais le coin. Je sais que je suis venu ici. Bon, par contre, j'aimerais bien rentrer dans la baraque, si possible. Sauf que ça m'a tout l'air d'être complètement cassé à l'intérieur. On n'a pas d'avoir grand-chose à voir en même temps. On va continuer et essayer de trouver ce fameux hurleur, lui faire sa fête, lui faire comprendre qui est le patron. Ce jeu est terriblement addictif. Je vous le dis, j'ai tellement de mal à m'arrêter une fois que j'ai commencé les vidéos. J'en suis plus qu'à quelques pas, on va sauvegarder. Et on va surtout méditer une petite heure. Voilà. Pour que tout soit remis correctement, re-sauvegarder au cas où et aller voir. Le mec qui a abusé sauvegarde. Alors, est-ce que ça, ce ne serait pas... Ah non, je crois que c'était le père de la... du gamin pendant quelques secondes. Je me suis dit, oh, une tache rouge. Son museau est couvert de sang. Il a chèrement vendu sa peau. Ah. Je crois que je vois des traces de pas qui vont jusqu'où? Les empreintes deviennent irrégulières. Le monstre s'est mis à tituber. Il était sans doute blessé. Du sang, celui d'un monstre. Donc maintenant il faut que je suive le sang. Là-bas il y en a d'autres. Où est-il parti? Petit. Alors, où est-il passé? Ah, ça continue. J'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Où je pourrais tomber sur quelque chose d'intéressant, on ne sait jamais. Col du griffon amélioré. Cool. Peut-être d'autres choses à voir encore. En tout cas, je ne remarque rien d'extraordinaire pour le moment. Non, bon bah tant pis. On va retourner sur nos pas, histoire de pouvoir continuer à chercher la bestiole. Les traces conduisent à la caverne. Un cocatrix. Un cocatrix ? Ah, hurleur, donc je sais avec quoi je vais pouvoir l'affronter peut-être. Donc sauvegarde. Alors, où en sommes-nous ? Les draconides. Ouh là là. Donc c'est pas un vrai hurleur, c'est un petit... Ouh, ça m'a l'air un peu grand quand même. Alors, j'avais 8 belles génisses, donc 5 laitiers, mais le pic, le cocatrix est passé par là, et il me reste plus que les yeux pour brûler.
Jethro Payson Pedal. La croyance populaire prête au Cocatrix, tout comme au Basilic, le pouvoir de changer ses proies en pierre d'un seul regard. Cette croyance n'a cependant aucun fondement et le regard du Cocatrix n'est pas plus dangereux que celui d'une oie en colère. Son bec acéré et sa longue queue sont en revanche des armes autrement plus redoutables et bien réelles. Aïe aïe aïe. Le combat promet d'être efficace. La ruche est une arme efficace, l'huile contre les draconides, je n'en dis pas, et le signe de Hard. Et le hurleur, c'est pareil. Le monstre qui tourmentait les habitants de Perchefreux s'avéra être un Cocatrix particulièrement retors. Geralt ne fut guère surpris que les hommes du baron n'en soient pas venus à bout. Ils étaient impuissants face à la précision chirurgicale de ses attaques, capables de trancher les artères et de verser un flot de sang que seule une potion d'hirondelle pourrait tarir. Ok. Ces soldats ignoraient comment contraindre la bête et elle atterrir grâce à un carreau d'arbalète, une bombe ou un signe lancé au moment opportun et comment esquiver sa charge d'une roulade habile afin de se placer sous les ailes déployées de la créature. Bon, va falloir que je fasse gaffe quand même. Hein. Du coup, je re-sauvegarde un petit peu. Bien sûr, je sais que je n'ai aucune huile contre les dracos machin chose. Là. Bien sûr, j'ai de l'huile contre les bêtes. Mais je n'ai rien qui puisse me servir par rapport à ça. Ok. Il faudrait que je fasse gaffe. Normalement, j'ai encore assez à manger. Potion d'hirondelle. J'ai de l'explosion. J'ai les trucs de ruche là. On essaie de les descendre. Je me dis que si je veux voir la bestiole, il va falloir que je boive un petit peu de la potion de chat. Voilà. Et du coup, on se dépêche de ramener la potion d'hirondelle ici. On va aussi s'équiper des bombes de ruche. La bestiole apparemment est partie par là. Je viens voir si quelque chose par ici, mais apparemment c'est le vide. Du bruit. Ouais, je fais comment pour grimper moi? Oui, c'est bon, je t'ai entendu. Merde. Je vais lui balancer une bombe. Ça devrait le faire sortir. Ouais, mais j'ai pas envie de lancer des bombes comme ça, moi. Par contre, je suis pas me déplacer quand je suis en train de lancer une bombe. Merde, il n'est pas là. Il a dû trouver une autre sortie. Vite, je dois le rattraper. Et du coup, je fais comment pour mes bombes? Le voilà. Cette fois, je vais lui régler son compte. Et je vais encore voir en noir et blanc pendant 2 minutes 50 quoi. 3 minutes quoi en gros. Mais viens là ma grande. Ok. Wow. Va falloir que je fasse gaffe. Saignement? Comment ça saignement? Et oh, doucement, doucement, je suis pas d'accord moi. Ah, il était temps que je gagne un petit peu en vitalité. Ah, il met deux plombes à charger son arbalète là.
Dégage, dégage. Je sais pas trop ce que je fous, mais je le fais. Aïe. Dégage, il va te taper. J'ai envie de voir si je peux faire ceci. Ah mince, c'était pas du tout à ça que je pensais. Bah si. Ah mais mince. Saignement encore, forcément. Aïe, saignement encore. Aïe, 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 ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ça sentait pas bon. Je me suis fait détruire, il faut que je fasse gaffe au saignement du coup. Ça c'est une certitude. J'espère que la dernière sauvegarde est pas trop trop loin non plus. Ça m'ennuierait qu'elle le soit. Genre, si elle peut être à partir du moment où on s'approche de la bestiole, ce serait parfait. Dis-moi tout, oh espèce de grosse bestiole dégueulasse. En plus, je vois en noir et blanc, je peux même pas voir quelle tête elle a, cette bestiole, pour de vrai. Bon, le combat va se finir par se terminer, à mon avis. J'aurais... Il est au fond de la caverne. Je vais lui balancer une bombe. Ça devrait le faire sortir. Je vais plutôt essayer le Sanum pour voir. Voilà. Il a dû trouver une autre sortie. Vite, je dois le rattraper. Je te rattraperai. Cette fois, je vais lui régler son compte. En même temps, je suis bête, j'ai utilisé aucun signe magique. Et c'est vrai que il disait que c'était quoi le signe qui était efficace? Hard, je crois. Draconide. Cocatrix. Voilà, le signe de Hard. Qu'est-ce qu'il fait déjà le signe Hard? Un souffle télékinésique. Ok. Ça. Ah, faut vraiment que je fasse gaffe à ce saignement, quoi. Envoyer une deuxième, t'inquiète pas que je vais pas m'embêter. Ah, elle m'a explosé en pleine figure celle-là. En fait, ça lui fait rien en dégâts. Ah, il m'est retombé en plein dessus. Raté. Dégage, dégage, mais pourquoi il veut plus esquiver? Bon, faut que je fasse gaffe à ça. Aïe, saignement, 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 c'est pas bon.
Oh, les combats comme ils sont bons. Oh là là, j'ai bien fait. Vous laissez me tomber dessus. Ouh, il a bien fait me toucher. Ah, c'est Jova en couleur. Waouh. Comment je l'ai esquivé de justesse là? Aïe aïe aïe, c'est le moment. Je vais te la voir. Attaquer deux fois d'affilée. Qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Il va se calmer le père Gugus là? Mais non! Ah, ça m'agace! Pas plus, voilà. Aïe, pas bon. Et là, ah, ils sont bons ces combats. Bah, ils paraîtront peut-être un petit peu longs en vidéo, je pense, mais à jouer, ils sont super agréables. Ça va? Tu fais moins ta maline? Hein? Toi, tu seras mon prochain trophée. Mutagène de Cocatrix, Ashnen, Pip, Crane, trophée de Cocatrix, Trix. Estomac de Cocatrix. Et voilà, ils me l'ont changé du coup, ils ont mis la tête de Cocatrix à la place, moi j'aimais bien. Ah non, c'était la tête de petite dame que j'avais avant. Avant de sauvegarder ici, avant de menu, sauvegarde, voilà. Hein? Sinon on sait ce que ça apporte. Du coup ça me rapporte quoi comme bonus 10% de chance démembrant? Je m'en fous. Je veux ceci, qui me donne des bonus XP en fait. Donc ça m'intéresse bien plus que le reste. Alors ça c'est quoi Ashnen? Rien à schtroumpfer. En tout cas, maintenant, j'ai du mutagène de Cocatrix. Cotin, Luigi, cotin. Alors, Rablette, du coup. Je vois pas sur ton corps le... En tout cas, on l'a décapité, le monsieur, là. Il faut que je retourne à la base pour expliquer que nous avons fait notre mission. C'est qui va me payer, d'ailleurs? Inventaire, carte du monde. Il faut que j'aille où? Il faut que je retourne ici. Alors, les ruines incendiées ont aussi un petit panneau. Faudrait vraiment que je prenne le temps d'explorer partout. Hein. Quête disponible. Oh! Faudra que j'aille voir du coup. Du nerf, Ablette. Maintenant qu'on s'est occupé du roller, c'est étonnant qu'il soit pas attaqué à la ville complètement. Vu la taille qu'il faisait, il aurait pu faire de sacrés dégâts. Hein. Mais non, monsieur s'est dit, je vais jouer la feignasse, hein. Voilà, par là. Il faudra un cheval avec plus d'endurance. T'es pas doué, hein, Ablette. Je veux un cheval qui puisse parcourir l'intégralité de la map sans avoir de perdre de l'endurance. Bon, j'abuse. Je t'en demande trop, je suis désolé mon petit cheval.
C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un seau d'épluchure. On s'est régalé. Il a pas peur. Salutations. Ouais. Le hurleur ne vous embêtera plus. Merci, sorceleur. Voilà votre récompense. C'est pas grand-chose, mais... comme on dit, un tien vaut mieux que deux tendras. Vous êtes sûr que c'est ça l'expression? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais, je sais plus que ce que c'est l'expression exacte. Mais je crois Gardez pas que ça l'argent. Avec un orphelin à nourrir, vous en aurez besoin plus que moi. Et ils disent que les sorceleurs, ils sont pas humains. Merci, sorceleur. Merci. Du fond de mon cœur. Bonne croire. J'ai du mal. On est plutôt bien sorti. On va essayer d'aller vendre ce qu'il y a dans notre inventaire au forgeron si possible. Ouais, j'ai pas vu que ça réduisait mon endurance en fait quand je cours. Je voulais revenir voir s'il y a quelque chose ici dans les sacs et tout. Voici donc l'ancienne tombe de Déa. Vue de jour. On était passé ici, mais déjà de nuit. Donc forcément, on n'y avait pas vu grand-chose. C'est quand même plus joli en pleine journée. Hein. Quoique la scène avec, justement, le moment où nous avons la mission avec le couvain, là, je la trouve impressionnante. Visuellement parlant, je la trouvais très jolie. Avec la pluie et tout, l'ambiance était vraiment très bonne, je trouve. Bonjour, je viens voir si t'as encore des sous. En quoi puis-je vous aider ? Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. Qu'est-ce que je peux te vendre à toi? Alors, attendez, oula. Ça vaut plus 4. On va vendre ça. Ça aussi. 629 et... Mine d'or, on ramasse des trucs intéressants, là. Ouais, bon, on va laisser les choses telles quelles. Adieu. Au revoir. J'aime bien, on est marqué adieu, on dit au revoir, tout va bien. Donc ça, c'est fait. J'aime pas comment tu me parles, toi. Alors ensuite, on a vu qu'il y avait une quête juste ici, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Et on s'arrêtera ici pour cette vidéo, je pense. Parce qu'il est déjà 17h30. Et que si je veux pouvoir en monter une ou deux, il est peut-être temps que je me bouge les fesses. Non, regarde pas comme ça. C'était pas là que je voulais aller. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Oh! Eh ben écoute, tant mieux. J'aime bien que les gens puissent répondre comme ça. Et le gosse, il est toujours là? Je voulais te dire que j'ai vengé ton père. J'ai réglé son compte au hurleur. Merci, sorceleur. Ça fait du bien d'avoir un merci, hein? C'est déjà beaucoup. Ah d'accord, tout va bien. L'homme qui passait de toi en toi. Bon, y a un marchand ici, peut-être que je pourrais acheter un peu à bouffer, pourquoi pas. Une bolée de cidre, un lait caillé. J'ai pas grand chose à vous vendre, mais en tout cas, y'a que du bon. Oh, on peut jouer au Wint. Montrez-moi ce que vous avez. De toute façon, faut que j'arrête. L'eau, je suis peut-être preneur. Sacoche de sel. Ouais, non, j'en ai déjà une. Quoique, j'ai déjà pas mal d'eau et j'ai pas envie de claquer tous mes sous. Bon, on va rester avec ce qu'on a pour le moment, on verra bien après, hein. Y'a rien... Y'a aucune carte pour le nord, en fait. Je te remercie. Voilà. Je reviendrai te causer dans la prochaine vidéo, si ça ne te dérange pas, mon cher marchand.
pour faire une partie de Gwent, mais pour l'instant, il me semble important d'arrêter la vidéo, puisqu'on se rapproche dangereusement de la durée maximale, on va dire, entre guillemets. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappestjeux.fr ou sur mon blog 103.fr. Passez une agréable fin de journée. À ciao tout le monde. Salut.